Allô ? Oui, allô, mon fils ? Je sais que tu vas être fier de ton papa. Tu vas raconter à tous tes copains à l'école comment je me suis lancé dans une aventure incroyable pour retrouver les deux enfants du président américain mystérieusement disparu en France. C'est une aventure pleine d'explosions, de bagarres, pour empêcher leur père, Donald Trump, de raser la France si on ne retrouve pas les deux enfants. Mais alors que j'enquêtais au dernier endroit où ils avaient été aperçus, j'ai été attaqué et capturé par un ovni. Ouais mon fils, un ovni comme dans les films. Mais tu me connais, je vais pas me laisser faire. Aigle, réponds. Wait, il a parlé d'un ovni. That's it, les enfants du président, ils ont été enlevés par un ovni. Hey, je crois que je suis dans l'ovni. T'es où? J'ai dit, je crois que je suis dans l'ovni. Je suis dans la mer. Tu es dans l'ovni, alors retrouve les enfants du président. Ils doivent être inside. De quoi? Mais je suis prisonnier des aliens. Et les aliens, ça fait des expériences sur le zizi. Fais chier. Nous sommes arrivés sur la Lune, 5 minutes d'arrêt. Les gars, je pense avoir trouvé la salle de commande. C'est super classe. On se croirait dans un épisode de Projet Glitch. Ils enregistrent tous ceux qu'ils ont bouffés, les Sanigos. Oh non, oncle Sam! On n'aurait jamais de fin à l'histoire courte. Oh putain. Les gars, ils ont bouffé les enfants du président. Ils sont morts. What? Je t'avais prévenu! Non mais attends! Aigle mécanique, trouve une solution, vite! J'aimerais bien, mais je suis coincé. Il y a un putain de vegan devant moi. Je crois qu'il veut me manger les petites fesses. Hein? Je suis le prochain sur le menu. Et voilà, mon fils. Comment tout se termine pour ton papa? Maintenant, faut que je te laisse. Papa doit encore sauver le monde. Prends soin de toi. Je te fais des gros poutou-poutou-poutou-poutou partout. Bon, écoutez, c'est bien beau votre histoire, là. Vous arrêtez de me harceler. Vous arrêtez de m'appeler. Ça commence à bien faire. Je vous connais pas. Je vais appeler les flics, je vous préviens. Mon petit Loris, promis, on jouera à Final Fantasy ensemble. Le vegan, tu toucheras pas mon zizi. Tiens, ah, ça c'est pour Oncle Sam, pour les enfants du président, pour mon fils Louis, et ça c'est pour m'avoir enlevé, et ça c'est pour Jules. Ah, au diable. Non mais attends! Écoute-moi bien! This is la guerre! Aouh! Bon, 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 bon! Décolle pas, patron Charlie! Patron, j'ai une vertige! Oui, moi aussi! Oh, faites attention en bas, ça va être le bordel! Piston, je rentre à la maison! Jean-Jacques, t'as vraiment merdé sur ce coup-là.
Alors, la mission est un succès ? Non, la mission n'est pas réussie. On est dans la merde. T'inquiète pas, j'ai une solution. Allô, président Trump, qui a l'appareil et que pêche pour vous ? Oui, papa, c'est moi ta fille. C'est pour dire que je rentrerai plus jamais. T'es pas gentil, papa. Ciao, au connard. Moi aussi, je t'aime. Bisous. Ciao. Allah, c'est Ranania. Ah, les enfants. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, à cocher la cloche pour être notifié de chaque publication. Tu peux également nous laisser un petit pouce bleu et un petit avis de passage dans les commentaires. Et tu peux également nous aider à financer la saison 3 en cliquant sur le lien Kiss Kiss Bang Bang dans la description.